z Un petit mot institutionnel, ça va être rapide. Donc, <laughs> je salue les, les trois auteurs. Donc, cette rencontre a été coproduite par la BPI et la ville de Paris avec son opérateur Bibliocité. C'est pour ça que je dis un petit mot. Donc, merci à la BPI. J'ai vu, vu Annie, j'ai vu d'autres amis. Et donc, euh, la ville de Paris euh, souhaite vivement soutenir les nouveaux talents. C'est pour ça qu'on a euh, participé à la production de cette table ronde. Et euh, en fait, on a un grand prix, euh, le prix de, des lecteurs de la ville de Paris pour un premier roman. Donc, vous voyez l'affiche euh, dernier mois. Alors, euh, Laurence euh, est finaliste. Donc, il faut voter. Absolument. Donc, Tout le monde peut voter. C'est sur le site de, des bibliothèques. Alors, je peux dire quels sont les, les finalistes. Donc, euh, Laurence Pot-Bonneville pour euh, Jean-Luc et Jean-Claude. Euh, Anthony Passeron pour tenir, euh, non, tenir sa langue de Paulina Panasenko En salle de Claire Baglin. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larea. Et Les enfants endormis d'Anthony Passeron. Voilà. Donc, on peut voter jusqu'au 15 mars. Il faut voter pour soutenir les premiers romans. Et puis, la remise du prix se fera au Salon du Livre, au Grand Salon du Livre de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, euh, bon, ça vient d'être dit, on est, on est donc dans le cadre d'un festival qui est le festival Effraction, dont c'est euh, la quatrième édition. J'aimerais juste souligner une chose parce que ce n'est pas tout à fait indifférent à ce qu'on va dire avec les, les trois romanciers qui sont là. C'est un festival qui s'intéresse plus particulièrement au lien entre la littérature et le réel. Et donc, rencontre organisée avec les bibliothèques de la ville de Paris, qui ont donc créé ce prix du, du premier roman. La séance de délibération aura lieu euh, la semaine prochaine. Et euh, la singularité, bien sûr, de ce, de ce prix, c'est que ce sont des lecteurs qui font partie du jury et non pas des professionnels, lecteurs, bien évidemment, des bibliothèques. Donc nous allons effectuer ensemble un parcours, bien sûr, romanesque, mais aussi un parcours géographique, parce que, me semble-t-il, vos trois romans... Ont, euh, entre autres choses, en commun le fait d'avoir un ancrage assez fort dans un territoire euh, géographique, un territoire euh, français. Nous allons passer de mont les à Abbeville, puis à Lille. Je ne sais pas encore dans quel ordre, mais enfin, en tout cas, voilà, on va se trouver à un moment ou à un autre dans ces trois endroits de France. Et puis, peut-être, autre caractéristique commune, ce qui nous relie précisément. Euh, au thème et en tout cas aux préoccupations que le festival effraction veut aborder, c'est le fait que vos personnages sont issus de milieux populaires. Voilà, c'est une des caractéristiques aussi, me semble-t-il, qui vous relie. Alors, bien sûr, on va entrer dans vos livres, on va en parler dans le détail. Mais euh, j'avais envie, dans, dans un premier temps, de vous poser une question un peu générale à tous les trois, de nous arrêter à ce phénomène de l'écriture et de la publication du premier roman, qui est tout de même un, un moment très particulier dans une dans une vie d'écrivain et de, de romancier plus particulièrement, euh, pour savoir tout simplement comment vous vivez ce moment-là, quelles sont les les émotions, les sentiments qui dominent. Laurence Bonneville, pour commencer. <laughs> Euh, alors, le premier sentiment, bonjour d'abord. Bonjour. Le premier sentiment qui domine très largement en ce qui me concerne, c'est la joie. C'est la joie et... Euh du coup ça ouvre une forme de curiosité pour des choses dont j'ignorais tout qui sont le cycle de ouais peut-être le cycle de vie d'un livre qu'est-ce que c'est que cette aventure d'un livre dont la vie ne s'achève pas avec le point final et l'édition mais dont la vie commence à ce moment-là avec parfois des rencontres parfois des surprises donc voilà joie et curiosité Stéphanie Garzanti ça fonctionne oui ouais. euh, moi je dirais l'étonnement mm -hmm. euh, parce... peut-être un tout petit peu plus près du micro okay. voilà. ah, c'est mieux ouais. je ouais, pense que c'est mieux, mieux. Oh, oui, oui. <laughs> euh, je dirais l'étonnement parce que euh, peut-être contrairement à vous euh, mon livre n'a pas été écrit euh, dans l'idée de faire un livre euh, c'est un livre qui a été écrit en partie euh, pendant des ateliers d'écriture et euh, c'est des textes disparates au départ qui ont été rassemblés ensuite. Donc euh, je vais d'étonnement en étonnement en fait mmh. et dans la découverte de l'écriture et dans le fait de voir que ça fonctionne et que ça peut faire un livre et que je suis mmh. là aujourd'hui. Mmh. Voilà, il n'y avait pas de préméditation. Hein. Mmh. Donc c'est euh, chaque étape un petit peu un étonnement. D'accord, Mathieu Levergeat, entre joie et étonnement, ou peut-être un autre sentiment encore euh, ben J'aimerais faire un peu un copier-coller de ce qui a été dit déjà. Euh, donc, effectivement, il y a beaucoup de joie, c'est une forme d'heureuse de, de euh, stupéfaction. Euh, et effectivement, il y a cette espèce d'idée de, de prolongement d'une de, existence euh, au-delà d'un point final, euh, d'un récit. Euh, et c'est aussi la. La naissance d'interactions euh, beaucoup plus tangibles avec, euh, avec des, des lecteurs et des lectrices euh, qui étaient hypothétiques, désirées, peut-être fantasmés, et puis qui deviennent euh, euh, grâce à, à l'accès à cette publication euh, deviennent réelles. Bien, on reviendra à des échanges entre vous trois, mais on va d'abord commencer par présenter vos livres, bien évidemment. Euh, Laurence Pot-Bonneville, petite présentation rapide pour dire simplement que vous travaillez dans le domaine du handicap et plus largement, vous connaissez vraiment bien le milieu associatif et le milieu associatif qui accompagne des personnes en situation de, de fragilité. Votre roman s'intitule Jean-Luc et Jean-Claude. Il est paru aux éditions Verdier. Il a reçu le prix Révélation de la SGDL et le prix Stanislas du premier roman. C'est un roman... Euh Très sensible qui se passe dans la région d'Abbeville. On reviendra à cette région, on va en parler bien évidemment. Mais je crois qu'il faut, il faut commencer par présenter ces deux personnages qui donnent, qui donnent leur, leur prénom comme titre au roman. C'est un étonnant tandem que celui de Jean-Luc et de, et de Jean-Claude, qui sont tous les deux placés en, en curatelle ou en tutelle et qui un jour empêchaient de, de valider leur grille de loto dans le café où ils aiment bien aller régulièrement. Régulièrement, euh, boire quelque chose, décident euh, soudain de ne pas rentrer dans leur foyer, donc ils vivent dans, dans, dans un foyer, et ils partent à l'aventure. On dira un peu comment ils partent à l'aventure, mais euh, peut-être faut-il commencer, Laurence, par euh, dire qui sont Jean-Luc et Jean-Claude, et comment on peut les aborder et les définir, parce qu'ils présentent à la fois des, on peut dire, des fragilités et physiques et, euh, et psychologiques. Mais surtout, ce sont des personnages qui nous confrontent à quelque chose d'inhabituel, une sorte de bizarrerie, des corps et des comportements qui sont parfois inattendus. En fait, j'ai l'impression que ce sont des personnages qui nous obligent un peu à revisiter les codes avec lesquels on aborde autrui de manière générale. Euh, alors d'abord, c'est un tandem. Un et ça, c'est très important. Ce sont deux amis euh, et peut-être aussi que leur bizarrerie euh, et euh, démultipliées par euh, par le couple euh, disparate, je sais pas, parce que quand on est euh, entre amis, on est toujours hein, on forme toujours des couples ou des ou des triades disparates, mais je pense que c'est potentialisé, voilà, ça, ça potentialise leur leur bizarrerie. Euh, comment les décrire Peut-être ne serait-ce que par un premier aspect physique. Dans, 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 la, dans une des scènes d'ouverture, euh, ils sont présentés par euh, quelqu'un d'autre qui les regarde comme un ours et un rat qui rentreraient dans un bistrot. Donc il y en a un qui est plutôt chétif et l'autre qui est plutôt tout en rondeur. Euh, et et puis, euh, alors effectivement, peut-être que leur bizarrerie nous confronte aussi à nos propres bizarreries, mmh. parce qu'ils ne sont pas les seuls dans cette scène d'ouverture et dans ce petit bistrot à avoir euh, une attitude étrange. Il y a un troisième personnage qui, lui aussi, euh, est tout à fait bizarre, enfin, en ce qui me concerne, je trouve qu'il est bizarre dont on va parler bien sûr. Pour continuer un tout petit peu sur Jean-Luc et Jean-Claude, on peut peut-être dire qu'ils vivent une forme de décalage avec, avec le monde, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre d'un quotidien, euh, qui représente une forme d'étrangeté pour eux avec des obstacles de l'ordre de comment gérer des interactions sociales, comment on doit réagir à telle ou telle situation, ce qui n'est pas toujours simple pour eux. Ils n'ont pas toujours, je reviens à ce mot de code, ils n'ont pas toujours les codes pour savoir interagir avec autrui. Alors, euh, je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas les codes, ils ont leur code et finalement ils interagissent, mais ils interagissent dans un univers qui a été dans une certaine mesure aussi aménagé. Pour que euh, ces temps d'interaction soient les moins complexes et les moins dangereux possibles pour eux. Alors, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, euh, le fait qu'il y ait tous ces tampons entre eux et le monde euh, finit d'une part par euh, les lasser. C'est aussi parce que c'est parce qu'ils sont, ils font voler en éclats ces tampons que euh, l'aventure arrive, surgit et qu'ils sont allés la chercher finalement. Euh, et, et je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, mais ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, euh, il, nous, il nous invite, en tout cas, votre, votre roman nous invite à réfléchir vraiment sur la question de la marginalité, parce qu'après tout, on peut considérer que Jean-Luc et Jean-Claude sont des personnages à la marge, ou on peut au contraire inverser le regard. En tout cas, c'est ce que vous vous proposez en les mettant au centre. Oui, en les mettant au centre, et puis en essayant de mettre en évidence toutes les marches qui nous traversent qui nous saturent euh, qui nous environnent euh, puisque bon, certes je, je, évidemment euh, le, ro le roman le récit se focalise sur jean-luc et jean-claude mais il est très choral aussi il y a beaucoup d'autres personnages et qui occupent aussi chacun euh, à leur manière euh, des positions et, et les marges de ses positions, si on peut dire. Alors il y a notamment euh, un troisième personnage qui est très important dans le roman, qui s'appelle Florent qui est un jeune homme dont la première caractéristique, et c'est comme ça qu'il apparaît, tient au fait qu'il est blond, ce qui a l'air de fasciner le tandem Jean-Luc et Jean-Claude. Cette blondeur les séduit énormément. Et puis ce jeune homme, il a une voiture. Et donc c'est grâce à lui, et c'est par son entremise que l'aventure va être possible, parce que Florent va emmener dans sa voiture le tandem. Euh, la voiture de Florence est un peu son dernier refuge et il apparaît vraiment comme un personnage extrêmement solitaire. C'est un personnage euh, tourmenté en tout cas au moment où on le croise, c'est le moins qu'on puisse dire, et enfermé aussi, euh, enfermé, emmuré dans sa solitude et, aussi, et qui, 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 qui se réfugie et qui s'enferme dans cette voiture euh, qui n'est pas à lui d'ailleurs, euh, et qui, oui, trimballe sa dose d'étrangeté et pour le coup c'est une étrangeté hostile. Euh, hostile au monde et malgré cette hostilité, Jean-Luc et Jean-Claude vont se montrer assez insistants. Est-ce qu'on peut parler à propos de Florent de quelque chose qui serait de l'ordre d'une exclusion, mais cette fois-ci d'une exclusion sociale euh, Oui, oui, sans doute exclusion sociale, pas que. Je pensais, enfin, de l'isolement affectif aussi. Mm -hmm. euh, on, on croit comprendre et reconstituer qu'il y a quelque chose comme une rupture amoureuse mais il y a euh, aussi euh, du chômage de la précarité on ne l'imagine pas euh, puisque il compte euh, chacun de ses euros et qu'il est euh, obsédé par le niveau de la jauge d'essence de cette voiture qui lui sert de dernier refuge. Alors en écho à cette histoire qui va donc entraîner ce trio sur les routes, il y a une tempête qui balaie la région et qui met en danger les phoques qui se trouvent dans la baie, pour lesquels d'ailleurs Jean-Claude se fait énormément de soucis parce qu'il aime beaucoup les phoques. C'est une sorte de deuxième récit qui vient s'intercaler avec le premier, dans lequel euh, vous manifestez cette grande sensibilité à la question du rapport entre les hommes et les animaux, précisément. Mais, euh, comme j'essayais de, de le dire tout à l'heure, je, je pense que j'ai essayé d'adopter un point de vue très choral. Donc, il y a des hommes, des femmes, euh, des vieux, des jeunes, euh, des perdus et des qu'ils sont moins. Et puis, euh, il y a une phoque. Euh, il y a des phoques. Euh, je dirais que la tempête, la tempête est aussi presque... à. à elle-même un personnage. C'est mon deuxième agent de, de désorganisation. Florent est un premier agent de désorganisation. Euh, voilà, sa rencontre va provoquer des choses. Et le passage de la tempête a aussi provoqué des choses. Euh, et le récit est placé sous le signe de la vigilance orange, donc euh, se resitue... Euh, voilà, je, je, je crois que je n'avais pas très envie de m'enfermer dans un registre... Euh, de récits sociaux ou de récits euh, surplombant sur le handicap j'avais aussi euh, besoin de convoquer d'autres choses la, 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 la tempête on va pas mmh. dire la nature on va dire mmh. la tempête les paysages picards euh, et les phoques nous sommes dans la région euh, d'abbeville donc et les paysages Picard joue effectivement un rôle important dans le roman. En tout cas, vous faites entrer dans le récit à la fois ces paysages ruraux ou périurbains, qui sont un peu la toile de fond de nos quotidiens, et avec un élément euh, qui est un élément euh, important également dans le récit, qui est celui du supermarché, ce lieu. Où euh, se rencontrent et se croisent effectivement des gens de provenance, de nature assez différentes et où vont se jouer certaines des scènes capitales du roman. Alors je, je pense que je ne suis pas la seule à, à convoquer ce type de paysage, oui, exactement, <laughs> avec euh, Stéphanie et puis Mathieu. Voilà. Euh, voilà. Ouais. Euh... Ben oui, c'est enfin, voilà, tout simplement des, des, des lieux parmi peut-être euh, les, les derniers lieux de rencontre qui soient proposés dans certains espaces périurbains. Euh, on a le, le, le supermarché du coin. Euh, c'est aussi une façon de, de provoquer des rencontres euh, qui ne sont pas voulues et de voir ce qui peut résulter de ces télescopages. On a vu dans votre roman Laurence-Pot-Bonneville, en tout cas je l'ai lu à plusieurs reprises, une forme d'hommage à un couple de la littérature extrêmement fameux et célèbre qui est celui de Bouvard et Pécuchet de Flaubert, dans la mesure où vos deux personnages... Reprennent cette sorte de à la fois joyeuse mais inquiète, hein, aussi euh, face à un monde qu'ils ne comprennent pas toujours. Est-ce que cette euh, référence et cet hommage, il était délibéré de votre part Non, parce que je n'aurais jamais <rire> osé <rire> me placer sous, euh, ah, non, mais... sous les auspices de Flaubert. Non, en fait, je n'y pensais pas, hein, mais oui. après, en fait j'étais parfaitement consciente. Que en écrivant autour d'un tandem, ça forcément, ça allait convoquer euh, d'autres figures, mais bon, je, je ne, ne m'en préoccupais pas. En fait, mmh. mon problème c'était plutôt de continuer mmh. à écrire. Euh, mais voilà, ça, ça, voilà Jean-Luc et Jean-Claude euh, viennent se placer dans, dans cette lignée un peu claudicante mmh. euh, de, de, de couples célèbres, Bouvard et Pécuchet, euh, Mercier et Cadmier, et oui, euh, oui également, le Beckett, Georges aussi. Euh... Bon, mais, mais je, je pense que c'est à la fois le risque et la protection qu'on prend quand on commence à s'intéresser à, à deux potes. Bien, on va poursuivre notre exploration et découverte des romans avec vous, Stéphanie Garzanti. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Lyon et à l'école du Magasin à Grenoble. Et votre travail porte essentiellement sur le dessin. Donc, Petite Nature, qui est votre premier roman, est paru aux éditions Cambourakis. Alors, nous allons nous déplacer géographiquement, puisque je disais tout à l'heure que vos trois romans avaient pour caractéristique le fait d'avoir un ancrage dans un territoire géographique. Nous allons vous, nous déplacer avec vous vers Monceau-les-Mines. Mais avant cela, j'aimerais dire que. Alors, c'est un roman autobiographique qui mêle des souvenirs d'enfance et puis des épisodes de la vie d'une jeune femme qui découvre son homosexualité. Et il est clairement autobiographique en ce sens que l'auteur se montre. Il n'y a pas d'artifice. Euh, vous manifestez clairement que c'est vous, cette narratrice. Oui. <laughs> euh oui, alors tout se passe pas à Montsolémina hein, non plus. Non, 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 <laughs> pas tout. Pas tout. Bon, on, va y venir. Ah, oui, on va y venir. Oui, oui. Euh, oui bah, disons euh, je pars souvent de souvenirs pour écrire, ou alors j'ai des souvenirs pour lesquels j'écris des petits paragraphes. Euh, qui sont dans mon ordinateur et quand j'écris je convoque ces petits paragraphes quoi. Donc, euh, donc forcément voilà, il y a une, une teneur autobiographique mais euh, c'est pas non plus une autobiographie c'est par morceaux Vous parliez de souvenirs donc il y a effectivement beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont convoqués dans le, dans le récit pas que, mais une partie sont des souvenirs d'enfance. Il y a notamment, et je l'évoque parce qu'on vient de parler avec Laurence Poitbonneville de supermarché il y a notamment ce concert euh, qui a lieu sur un parking de supermarché, donc euh, avec euh, une importance donnée à cet endroit qui est un, un lieu de rencontre et de convergence où toutes sortes de gens se croisent finalement. Oui, oui, alors précisément, ce n'était pas sur le parking. Euh du mammouth, c'était sur euh, le grand parking qui y avait à côté. Parce que le grand parking du mammouth n'était pas assez grand. Donc, euh, il fallait traverser la route et être sur le, le parking un peu terrain vague, qui n'était pas, pas exactement le parking du mammouth. Oui, ben, c'était un concert de Dalida euh, qui fascine tout le monde. Apparemment, je, je, je découvre que tout le monde est fasciné par, euh, par Dalida, apparemment. Euh, et c'était un concert qui avait été organisé, je pense, par la ville de Montsolémine. Euh, je n'ai pas beaucoup d'informations à part mes souvenirs parce que j'ai fait des recherches un petit peu et je n'ai pas trouvé précisément de choses sur ce concert-là. J'ai trouvé une liste de concerts de Dalida dans des endroits qui ressemblent à Montsolémine, mais Montsolémine n'est pas dans la liste exactement. Donc je l'ai située à peu près dans cette année 86 parce que c'est là où elle a fait beaucoup de concerts dans des endroits comme Lons-le-Saunier, par exemple. Euh, voilà, mais c'est un souvenir étrange parce que c'est très lointain, c'était il y a plus de 40 ans, euh, et il y a peu de gens autour de moi qui s'en souviennent. Euh, le, la personne qui s'appelle Michel dans le texte, par exemple, je lui ai lu le texte, qui est une voisine de mes parents. Euh, je suis. L'été dernier, je l'ai vu, je lui ai dit je, je vais publier un livre et, et tu es dedans. Mmh. Parce que je, je parle de ce concert et je lui ai lu le texte et euh, elle m'a dit qu'elle ne se rappelait plus Pas de du ça. Tout. Pas du tout. Mmh. Euh, ni du concert, ni qu'elle avait vu Dalida. Enfin, C'est assez mmh. incroyable. Quoi. Pour donner un peu euh, la teneur de cette enfance que vous, que vous convoquez dans le livre, il y a donc l'évocation de ce concert et puis il y a aussi une scène que moi j'ai trouvée. Euh, Extrêmement séduisante, qui est ce moment où je crois que c'est le dimanche, tout le monde part en famille pour regarder passer le TGV parce que la gare vient de s'ouvrir, hein, oui. c'est ça Oui, tout à fait. Oui, euh, oui. monceau les c'est à côté de du Creusot oui. et euh, le train qui va de Paris à, à Lyon euh, s'arrête euh, à la gare du Creusot-TGV. Et euh, ouais, j'ai ce souvenir que mes parents avaient. Pratiquement oublié aussi, euh, du dimanche où ma mère, quand on ne savait pas quoi faire, appelait la gare pour savoir à quelle heure un train allait passer. Et on partait en voiture, on garait la voiture et on allait regarder passer le TGV. Quoi. Oui. Ça paraît complètement euh, incongru maintenant. mais euh, Oui, de pas regarder passer les trains. <laughs> euh, on a parlé tout à l'heure avec Laurence Potbonneville de, de cette notion de décalage que certains euh, personnages euh, peuvent vivre avec leur environnement. Alors, chez vous, on peut peut-être aussi également utiliser le terme de décalage, mais dans, dans ce cas, ce décalage il serait lié effectivement à ce que progressivement votre narratrice découvre de son homosexualité et donc de ce que ça va créer par rapport à son milieu d'origine précisément, qui est une forme de décalage. On peut le lire comme ça, en tout cas. Euh, oui, alors... Euh, oui oui on peut dire comme ça même si euh, par exemple je, je parle pas vraiment dans le livre de souvenirs d'homosexualité très très jeune par exemple alors que j'en ai euh, donc c'est là où c'est pas non plus complètement autobiographique euh, j'en parle parce que ça fait partie de ma vie et que je peux pas vraiment faire autrement euh, mais c'est pas euh, ça fait pas partie des souvenirs d'enfance par exemple mmh. alors que ça, ça aurait pu oui, ça vient plus tard. Oui, ça vient plus tard. Ah, oui. Oui, oui. Alors, le livre, vous le disiez euh, en commençant tout à l'heure, euh, est composé d'une série euh, de, de textes qui portent sur différents sujets. Et alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que chacun est potentiellement le début d'une histoire qui aurait pu se développer finalement. Et il y a d'ailleurs, euh, vous faites recours à un moment à des listes, comme si vous vouliez recenser absolument tous les sujets sur lesquels vous pourriez écrire ultérieurement. Ouais, c'était. Ben, dans ce texte-là où il y a la liste, c'est c'est un petit peu décevant parce que je crains justement que n'en avoir fait la liste suffise finalement. <laughs> voilà. Et euh, et je me dis que pour ce, cette liste-là, c'est trop tard quoi. Ça y est, elle est là. Puis alors en plus, elle est publiée dans un livre, donc maintenant, oui. est-ce que est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de l'écrire oui. quoi Il y a une place très importante accordée aux animaux. Euh, les renards, euh, les chiennes, et la narratrice se sent très proche des animaux euh, en raison de leur bonté. Euh, Est-ce qu'elle a plus confiance finalement en les animaux que quand les humains Complètement. Hum. C'est clair. Hein ouais, Est-ce ouais. est hum. est juste... hum. est qu'il y a encore quelqu'un qui se pose la question là-dessus Oh ben on, peut, on, peut la, on peut la poser, en tout cas. Oui, c'est possible. Euh, la caractéristique de votre livre, c'est qu'il n'appartient appartient pas vraiment à une catégorie littéraire. On dit roman, peut-être par commodité, mais qu'en fait, c'est un texte plutôt difficile à classer, me semble-t-il. Oui, et c'est beaucoup la, la question qu'on me pose depuis que le livre est publié. Quoi. Oui, alors que moi, ça ne me pose pas question du tout. Mmh, mmh. C'est-à-dire que je suis... Euh, j'ai l'impression qu'on a tellement de choses qui sont euh, normées et obligatoires euh, dans le reste de notre vie que finalement euh, moi quand j'écris je cherche plutôt une forme de liberté et ça passe par euh, ne pas forcément m'interroger sur euh, le genre auquel appartient ce que j'écris mmh, mmh. euh, il y a dans le texte, une réflexion sur le pouvoir des mots, et puis il y a un travail de, de, de recréation de la, de la langue qui passe par différents procédés. Euh, alors, vous pratiquez notamment l'écriture inclusive, mais pas que. Euh, il y a également euh, le choix de féminiser un certain nombre de, de mots, euh, le choix d'angliciser aussi certains mots. Je peux juste donner quelques exemples mon bed au lieu de, de mon lit, euh, les poils des animaux, je ne sais plus lequel, euh, qui sont white au lieu d'être blanc. C'est le renard. C'est voilà, c'est ça. Et puis, euh, on vous vous promenez dans la bois et non pas dans le bois. Enfin bon, voilà, je ne vais pas faire une liste exhaustive. Mais du coup, est-ce qu'il y avait une volonté de renforcer l'effet de euh, travail sur la langue en ajoutant à l'écriture inclusive la féminisation et l'anglicisation Comment vous avez travaillé ça ce... C'est comme ça que ça vient en fait quand j'écris. Si, bon, euh, si on prend l'exemple du texte sur le renard dans lequel il y a des mots anglais, par exemple, euh, tout est venu du mot flat parce que je trouvais que flat faisait plus plat que plat. Euh, et euh, tout le, le texte s'est construit comme ça. Euh, concernant euh, l'écriture inclusive, par exemple, il va y avoir des moments où j'ai eu une grande liberté euh, euh, au moment de la publication. Euh, dans la collection sorcière chez Kambourakis, pour, pour faire comme je voulais et pour ne pas forcément harmoniser tout. Donc, par exemple, il y a un moment où je parle de mes parents, où je vais dire il, même si mes parents sont une femme et un homme, je vais dire il au pluriel, et puis d'autres moments où je vais parler de mes élèves, par exemple, et je vais dire il. Donc, il n'y a pas d'harmonisation, il y a à chaque fois des choix qui sont faits en fonction du contexte et euh, par rapport à ce que je suis en train d'écrire et de dire dans le texte. Alors, il est question aussi, euh, bien sûr, de l'homosexualité, de sa découverte euh, au fil du temps. Et puis, alors là, vous, vous introduisez des éléments qui sont des éléments euh, factuels, d'informations, et notamment toute une partie sur, euh, intéressante sur le, le rôle, notamment, que les homosexuels ont pu jouer euh, dans, dans la lutte contre le patriarcat. Euh, oui, alors, euh, je pense que vous faites référence au texte euh, qui, parle, euh, qui répète plein de fois le mot « lesbienne mmh. ». Euh, C'est une appropriation d'un texte que j'ai trouvé sur Internet euh, sur, euh, sur le, la gestion des euh, déchets dans l'espace mmh. et en fait j'ai réécrit tout le texte en remplaçant déchets dans l'espace par lesbienne mmh. euh, et de montrer comment on pouvait euh, traiter ça et à quel point c'était utile de s'intéresser à ça et le nombre d'organismes qu'il fallait créer pour gérer tout ça, etc. etc. Bien, bon, on va poursuivre notre exploration des romans avec vous, Mathieu Loverja. Vous êtes né et vous travaillez à Bordeaux, et donc votre premier roman, Client Mystère, est paru aux éditions Gallimard dans une collection qui s'appelle Scribe au pluriel. Alors avec vous, nous allons remonter dans le nord, on va se rapprocher de Laurence. On n'est pas à Ville, mais on est à Lille. Euh, qui est un, un lieu qui joue un rôle important dans le livre. On va en, on va en parler euh, tout à l'heure. En tout cas, c'est là où on découvre votre narrateur au moment où euh, il pédale, il est sur un vélo et il pédale extrêmement vite parce qu'il doit livrer des repas et que les repas doivent arriver à temps et qu'ils doivent être chauds. Euh, un jour, il est percuté par une voiture et il va se retrouver indisponible, euh, indisponible aux yeux de l'application parce qu'en fait, il travaille pour une application, non pas pour deux êtres humains, mais pour une application. Et, euh, et donc, vous explorez dans cette première partie du, du roman et avec cette première activité toutes les. Coulisses au fond d'une société qui se divise entre ceux qui commandent des repas et ceux qui les livrent, et en tout cas une sorte de plongée dans cet inframonde du, du travail où les algorithmes sont totalement dominants et sont rois en fait. Oui. Tout à fait, c'était euh, l'idée euh, exploratoire de, de ce texte en fait, effectivement. Ça partait d'un constat assez simple, c'est que plus les choses sont présentées d'une manière simple par le biais de la technologie, en euh, l'espèce, quelques pressions de votre pouce sur l'écran de votre téléphone, et vous avez dans le quart d'heure le plat de votre choix qui vous est acheminé à votre porte. Et je voulais interroger justement cette espèce de, de tentative de. De gommer ou de, ou de, de, de dissimuler en fait, euh, les chaînes en fait, d'interaction euh, humaine qui sont, elles, bien ancrées dans, dans des chairs. Euh, donc, c'était l'idée de, de confronter quelque chose d'ultra technologique, de froid et d'algorithmique, avec euh, aussi en parallèle et en miroir déformant euh, des répercussions qui sont plus ou moins euh, connues et. et mais bien réel en tout cas. Bien réel, oui. Et alors le, le, le roman se, se poursuit euh, euh, toujours dans le monde du travail par une deuxième expérience qui est absolument, euh, je trouve, fascinante parce que en fait votre personnage donc euh, se retrouve sans emploi puisqu'il ne peut plus pédaler sur son vélo. Et il va entendre parler de ce curieux métier qui est euh, le métier de client mystère. En fait, ce sont des particuliers qui sont mandatés par, euh, par des entreprises pour aller jouer les clients afin de faire des évaluations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, on est dans le domaine du mystère et du secret, puisque tout ça se fait à l'insu des gens que l'on observe. Hein. C'est ça, le principe, en fait. Ben bah oui, sinon, ça ne serait... Ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle. <laughs> Oui, tout à fait. C'est utilisé comme un outil euh, de, de, effectivement, de, de vérification et, euh, qui permet euh, de, 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 de faire un constat sur la, la qualité des services, euh, sur des comportements attendus, euh, vérifier s'ils sont bien euh, mmh. conformes aux mmh. exigences. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas dans le fait de passer du métier de livreur à ce métier d'homme invisible, parce qu'en fait il devient invisible, qui observe les autres, qui les juge, qui les note, euh, qui les espionne d'une certaine façon, quelque chose de l'ordre de la trahison. On se demande si pour lui, il euh, n'y a pas quelque chose qui est une toute sorte de bascule euh, dont on va finalement euh, voir aussi les conséquences dans votre récit. Alors oui, effectivement, il y a une idée d un, d un, de, de, de passage, mais effectivement, j'ai essayé quand même d'éviter de, de, des, des pièges d'un manichéisme en fait un peu trop euh, évident. Euh, je, je dirais plutôt que le, le personnage au début déjà est très dépourvu d'éléments de, de caractérisation. Euh, on ne sait pas son prénom, euh, on sait approximativement son âge, mais l'idée était déjà de d'en faire quelqu'un euh, d'un peu euh, Indétectable, euh, qui n'a pas vraiment de, de parti pris, ni d'une vision en fait, euh, d'opinion, ou, ou d'acte, et d'action, ou de pensée qui, qui lui serait vraiment propre. Donc ce serait plutôt faire évoluer un personnage déjà complètement dilué, mmh. euh, et, et, et poursuivre cette espèce de propagation, comme, ça, comme une aquarelle qui, qui s'étalerait jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune empreinte en fait, de couleur sur, sur le papier. C'était plutôt cette idée d'étalement comme ça. Que Ce que l'on sait de lui, tout de même, au départ, c'est un désir de s'émanciper de son milieu familial et notamment d'échapper à un oncle qui est, en l'occurrence, garagiste et qui représente pour lui une sorte de, de, de repoussoir, disons. Il, il ne souhaite pas lui ressembler, voilà. Oui, tout à fait. Oui, effectivement dans, dans les rares éléments de caractérisation, il y a effectivement cette, cet élément géographique dont, vous, dont, dont on a parlé dans les autres textes aussi. Euh, effectivement, c'est cet enracinement dans, dans la métropole lilloise et, et plus précisément dans, dans le quartier de l'Eppel à Roubaix, qui est pour le coup un quartier qui a connu quand même une, une, une flamboyance, une prospérité dans le courant du XXe siècle. Et, Effectivement, qui est aujourd'hui euh, plus, plus compliqué, hein, qui, qui fait partie des zones un peu déshéritées. Donc, effectivement, il vient de ce, de ce substrat, de ce, ce, ce monde, et euh, il veut effectivement euh, s'en sortir, et surtout euh, aller à Lille, la grande ville, la métropole, et sortir comme ça, mmh. comme une, être transfuge à la fois de, 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 de foyer par la, par la géographie, par, par les activités aussi. Oui. Et donc, il va être envoyé en tant que client mystère, il va être envoyé en mission. Alors, à la fois dans des McDo, dans des rayons de supermarché. On retrouve le supermarché qui, décidément, est vraiment un lieu commun à vos trois, à vos trois romans. Et sa mission consiste à observer avec beaucoup de minutie tout ce qui se passe, y compris les tensions de ce monde du travail qui sont décrites avec beaucoup de précision. Et aussi la déshumanisation, le consumérisme. Et alors, c'est très intéressant parce que tout ça passe par une écriture du détail, de la description très précise. Euh, oui, j'ai euh, travaillé à partir d'énormément de, d'enquêtes en réalité. En fait, j'ai vraiment euh, opéré un travail euh, d'investigation. Euh, on pourrait presque rapprocher d'une certaine méthodologie des sciences humaines, en fait, par des, des questionnaires, des, des enquêtes, des interviews, de, de l'observation, des notes. Euh, en fait, quelque chose qui n'est pas du tout romanesque, mais je voulais avoir un, une base vraiment euh, documentaire qui est vraiment réelle. Et euh, donc, je me suis procuré beaucoup de questionnaires qui existent. Et je dois préciser d'ailleurs que tout ce qui est. Toutes les missions qui incombent au narrateur de ce texte ne sont, ne sont pas des inventions de, de ma part. Tout existe et tout est, tout est restitué avec effectivement cette volonté de minutie, de détail, qui est presque une volonté d'aller presque dans une forme d'étouffement en fait, par le détail. Ça fait partie d'un dispositif aussi de, de saturation de la prose par des détails que je voulais travailler. Mais tout part en fait d'enquête, de, de, effectivement, et de détails, de points comme ça, des items d'évaluation. De, de, et donc voilà, il y avait cette idée d'avoir un, un socle documentaire euh, sur lequel on pouvait ensuite y apposer une glaise romanesque. Il y a d'ailleurs une grande sensibilité qui, qui désamorce aussi ce qui pourrait ressembler à quelque chose de très froid et de documentaire. Ce qui est pas du tout le, le cas dans le roman. mais en fait, au, au, au fil des pages, finalement, quand même, vous vous invitez à quelque chose qui est assez euh, intéressant, qui est quand même de, de à s'interroger sur l'absurdité de la soumission de chacun d'entre nous, d'ailleurs, euh, à ce à ce monde euh, mécanique de la consommation euh, à tout va. Oui, oui, tout à fait. C'était un peu sur les sur les, les diables ordinaires qu'on a tous dans notre poche euh, qu'on observe. Moi, je suis fasciné par les, les avis laissés euh, par les, les gens sur Google. Euh, L'autre jour, euh, j'étais du côté des Pyrénées. J'ai vu que quelqu'un avait noté le, le pic d'un étau. Il lui avait attribué une note euh, de 3,2 <laughs> sur 5. Et je trouvais que c'était assez, euh, assez fascinant. C'est un beau geste de soumission, ça. <laughs> oui, enfin, en tout cas, on peut le voir comme ça. Alors, votre personnage va progresser hein, dans ce dans cette nébuleuse, en fait, de, de, de clients mystères, euh, il va se mettre à enquêter euh, euh, au, dans les, à bord des trains, il va se mettre à enquêter dans des centres d'atture où les gens viennent passer des, des, des week-ends, etc. En fait, on a un peu l'impression qu'il a mille doigts dans un engrenage. On ne va pas tout dire sur la fin, mais il y a quand même la notion d'engrenage un peu fatale dans le roman. Oui, il y a cette idée... Euh de spirale, effectivement, de, de nébuleuse un peu tentaculaire, d'ailleurs, qui, qui, qui est à l'image euh, bah de, de, de toutes ces applications satellitaires parce que, en fait, il existe tout un tissu d'applis euh, qu'on peut télécharger gratuitement mm -hmm. sur son téléphone et qui permet de, 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 de faire des micro-tâches comme ça de, de mystery shopping. On peut donner son avis, vérifier euh, la bonne application de, bah, de protocole, vérifier que le paquet de pâtes est bien à sa place euh, dans le rayon du supermarché pour revenir là. Et donc, il y avait cette idée, effectivement, de. C'est gratuit, et, en apparence. Alors, il y a la ville de Lille, qui est donc euh, le décor du, du roman, mais un peu plus qu'un décor, en fait, parce qu'on peut considérer qu'elle est agissante dans le livre, ne serait-ce que parce qu'au tout début du roman, l'accident euh, est dû à la pluie. Et vous dites même, alors moi, c'était une découverte, qu'il y a des bonus de pluviométrie pour les livreurs, c'est ça alors il fut un temps, oui. euh, des bonus effectivement de pluométrie étaient, étaient proposés au, aux livreurs pour les encourager à, à, à sortir et à, et à cheminer les plats durant leur, leur, leur shift, leur, leur part de, de leur créneau de travail. Euh, mais j'ai dû faire face à une obsolescence en fait, rapide de tout ce que je pouvais énoncer comme... Euh, tarifs, données, bonus puisqu'en fait il y a une mutation qui est quasi permanente en fait dans, dans, dans ce champ là c'est à dire que le prix de la course calée euh, sur de la distance a disparu maintenant c'est juste au forfait enfin, y a, si vous voulez c'était très difficile de travailler sur, sur un terrain qui est tout le temps en, en mutation et évidemment c'est de, de moins en moins opportun pour les libraires, c'est de moins en moins bien payé en fait donc, il fut un temps, il y avait un bonus pour la biométrie, donc j'ai dû bien saisir de quelque chose, mais je ne suis pas certain qu'il qu soit encore euh, évident euh, ni proposé euh, à l'heure actuelle. Mmh, mmh. Lorsque le, le, le personnage va passer de, de livreur à, à euh, client mystère, donc il y a un autre rapport avec la ville qui, qui se met en place et qui est vraiment intéressant parce que son métier consiste à se camoufler. Et une ville permet le camouflage. Je vous parlez à un moment du magma organique de la ville. Il y a donc un rapport qui est très physique aussi avec ce qu'est une ville. Oui, euh, tout à fait. Euh, il y a cette, euh, la conversion d'un espace physique dans une sorte de. Il y a une dimension cartographique. Qu'est-ce qu'on place sur la carte Là, c'est un réseau de curseurs avec des points de vente euh, ou des situations, en fait. Euh, qui peuvent enclencher un, un, un contrat de, de, de client mystère. Et donc oui, le, il y a cette idée de carte et de, de, de magma, parce qu'il y a cette espèce de côté euh, infini, est ce côté cette lave. En fait, il y aura toujours des, des, des boutiques, des horaires d'ouverture, il y aura toujours un flux comme ça permanent. Voilà, c'est ce qui fait le propre de la ville dans laquelle va effectivement se, se perdre en fait le, le personnage. D'adresse en adresse, de, de mission en mission, il va comme ça euh, s'aventurer dans, dans un espace qui lui est familier, mais sous un tout autre prisme. Dans un espace qui est familier et en même temps, progressivement, c'est quand même un personnage qui va perdre pied. Il ne faut pas tout dire, bien sûr, pour ménager, euh, il y a un renversement à la fin du roman, mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui perd pied quand même, qui n'arrive pas à contrôler tout ça. Oui, oui, c'est vraiment euh, c est, c est écrire sur, euh, sur euh, une tra trajectoire psychique de, de, de quelqu'un euh, qui... Euh pas très bien au début de l'histoire et qui va pas forcément mieux à la fin. <laughs> et en même temps, il y a un ton décalé qui introduit aussi une dimension d'humour qui, qui est évidente. Et puis, il y a le travail sur la langue, alors, qui est vraiment très intéressant parce que pour donner cette allure au fond. De la mécanisation de toute chose. Vous travaillez sur un rythme d'écriture qui est assez soutenu, et puis vous jouez aussi beaucoup avec ce vocabulaire très spécifique. C'est une langue à part, hein, finalement, celle du management. Enfin, je veux dire, ces gens-là ils parlent pas comme nous, quoi. Je pense que personne ne comprend ce qu'ils disent. <laughs> enfin... oui, oui. Non, mais effectivement, il y avait... Il m'était apparu nécessaire. Le sujet, le traitement de sujet, nécessitait forcément un traitement un peu distancié avec évidemment de de l'humour et un, un travail voilà sur la sur la langue sur le rythme parce que sinon c'est pas voilà enfin je voulais pas non plus faire quelque chose de l'ordre d'une enquête aride voilà, de, de, c'était l'idée c'était de, de, de raconter une histoire avec des personnages avec des atmosphères et des, des situations donc effectivement j'ai essayé de, de placer euh, le, cette, 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 cette épaisseur romanesque dans euh, effectivement un travail sur la langue et de la de la d'une manière plus ou moins satirique mmh. puisque c'est un outil en fait un formidable à travailler cette langue cette nouvelle langue du management contemporain euh, qui est, y a, y a une dimension plasticienne en fait je trouve il euh, mmh. y a des mmh. mots il y a des sonorités il y a une musicalité euh, qui, est, qui est intéressante et qui est complètement cryptique enfin pour moi c'était aller vers quelque chose d'illisible et de plus encore plus incompréhensible, qui mmh. est très troublant en fait. Oui, oui, oui. oui. Mmh. C'était vraiment cette idée-là. C'était d'utiliser, retourner cette contrainte-là, quelque chose de froid, d'assez difficile d'accès. Euh, mmh. Je ne voilà, sais pas, mmh. qui sait ce que c'est un, je sais pas, un mmh. UX designer. Personne. <laughs> Peu de gens, oui. je pense. Ceux qui travaillent dans, dans ce milieu-là. Mais oui, euh, ouais, voilà. ouais, c'était ouais. utilisé. cette... <laughs> euh... ouais, ouais. Et c'est donc un roman qui, qui, qui invite aussi à l'explorer des coulisses, du coup, hein, que ce soit le monde de la livraison de repas ou ce monde de clients mystère. c'est aller voir sous les choses, euh, aller explorer ce qui est invisible. Tout à fait. Euh, L'idée euh, de départ, c'était ces, ces livreurs en fait, qu'on voit. Euh, aussi partout euh, les centres-villes euh, oui. voit euh, tous les jours on voit ces silhouettes qui, nous, qui sont vraiment familières mais euh, il y avait quelque chose de survisible oui. qu'on voit dans, dans toutes les villes en fait hein, de France d'Europe d'Occidentale de, et ailleurs mais personne ne sait qui sont ces individus donc oui. il y avait ce décalage oui. sur euh, une surreprésentation dans l'espace public et euh, une, une absence en fait d'éléments de, de compréhension de qui qui sont les individus mmh. derrière en fait ces, ces gros blocs de, de sacs mmh. noirs qui portent euh, voilà c'était mmh. c'était ça le, le, le point de départ c'était aller enquêter et pourquoi pas aller chercher comme ça mmh. euh, un matériau pour raconter une histoire mmh. si on on ouvre maintenant un tout petit peu plus la conversation entre vous trois. Je crois que le mot qui a peut-être le plus été employé, enfin en tout cas un d'entre eux, c'est peut-être ce mot de décalage précisément. J'ai l'impression que tous les trois vous avez exploré euh, des univers qui sont des univers qu'on n'a qu pas l'habitude de, de mettre au centre, euh, voilà, du monde que l'on considère comme étant des, euh, oui, des univers un peu décalés. Et vous, vous décidez, vous, de les mettre au milieu et de porter la lumière sur eux. C'est aussi peut-être une manière d'explorer de, de, ce lien. Je disais tout à l'heure que le Festival des Fractions s'intéresse au lien entre littérature et réel. C'est aussi une manière de s'interroger sur le lien entre la littérature et le, et le réel. Est-ce que vous avez le micro aïe, 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 Allez. Me... <laughs> oui. Euh... <laughs> Effectivement, moi, je voulais justement aller, aller gratter en fait, sous, sous, enfin, utiliser le réel encore une fois, et aller euh, déplacer effectivement des, des analyses, des observations de ce réel, et d'aller chercher aussi peut-être des choses assez méconnues. C'était un peu vraiment un parti pris, c'était de, de planter. Cette réflexion, avec un léger pas de côté sur des sujets qui étaient moins balisés, du moins, enfin, en tout cas, c'est ce moi, ce qui m'avait intéressé, ce qui a challengé, je pense, l'écriture de ce texte, c'était d'aller explorer des choses que j'avais, j'aurais aimé moi lire en tant que lecteur, mais je trouvais que n'avais pas suffisamment de propositions d'histoire qui, qui utilisaient Alors peut-être ça va, ça arrive en ce moment, et, mais c'était ça le, le point de départ. Et je, effectivement, je pense que c'est assez commun à, à nos, nos textes. Laurence. Respectifs. Ben alors, euh, comme on est en train de se, de se lire oui. mutuellement <laughs> dans votre dans votre texte, Mathieu, il y a un, un, un tandem d'adjectifs qui revient en permanence c'est satisfaisant, trait d'union, conforme. Et en fait, j'ai l'impression que tous, à, no, à notre manière, on essaie de, voilà, de, de se décaler de ce standard du satisfaisant conforme mmh. qui envahit tout. Mmh. Euh, D'abord pour voir de quoi on parle au juste, et puis de ce qui se passe quand c'est pas tout à fait conforme, mais moyennement satisfaisant, mmh. euh, et voir si ça peut être euh, euh, franchement compliqué ou éventuellement un peu drôle. Mmh. Mmh. Stéphanie moi, j'aurais bien voulu être plus souvent satisfaisante, conforme, quoi. Euh, concernant le départ de la question sur le décalage, euh, j'ai l'impression que moi, j'ai pas travaillé sur ça. J'ai l'impression que. Alors, je pense que ce que j'ai écrit ça me ressemble j'ai pas l'impression d'avoir décalé quoi que ce soit donc euh, c'est peut-être parce que c'est euh, la description d'un parcours singulier que ça paraît décalé pour euh, les euh, mais cela dit euh, ça c'est quelque chose d'étrange qu'on découvre quand on fait une première publication c'est qu'il y a les gens qui nous connaissent, qui nous lisent et qui voient quelque chose et puis il y a les autres personnes qui nous connaissent pas et euh, hier encore, par exemple, j'ai eu mon neveu au téléphone qui avait terminé de lire mon livre et qui m'a dit, mais euh, on te reconnaît tout à fait dans le livre. Il n'y a absolument rien qui n'est pas toi, quoi. Mm -hmm. Donc, j ai, j ai pas... euh, quand vous parlez de décalage, c'est quelque chose. Je comprends l'idée, quoi, mais euh, j'ai pas l'impression d'avoir écrit comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu une volonté de d'écrire quelque chose de décalé. En tout mm -hmm. cas, voilà. J et j'ai l'impression que, que ce qu'on a écrit n'est euh, pas complètement décalé de nous, en fait. Oui. Voilà. C'est qu'on a une connaissance oui. et une proximité oui. avec ce qu'on écrit en, en réalité. Mais peut-être parce qu'on s'intéresse à des choses euh, d'une manière euh, précise, euh, on va la mettre en lumière pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément euh, regardé, en oui. fait. Mathieu et Laurence, est-ce que vous, vous diriez de la même façon que l'on peut vous reconnaître dans vos romans respectifs, respectifs même s'ils ont moins que chez Stéphanie une dimension explicitement autobiographique, disons, est-ce que pour autant on peut vous reconnaître dedans Alors, je pense que je suis extrêmement lointain, mais, mais ce texte effectivement est bâti avec avec l'œil et, et je pense mon œil. Et effectivement, il je, je, y, y a une dichotomie euh, que j'ai essayé d'accompagner tout au long de, du texte. Effectivement, je, ce sont des observations il y a un positionnement aussi dans l'enquête. Effectivement, il y, y, y a une politisation, euh, dans, forcément, il y a un parti pris et j'assume tout à fait, en fait ce, ce que j'ai écrit et ce que je, je, je mets en, en lumière. Mais euh, à travers en fait, un, un dispositif romanesque qui, euh, lui, euh, est extrêmement lointain et, et sur lequel moi j'interviens d'une manière très, très cryptée. Ouais. Voilà, en tout cas. Ouais. Laurence Alors, je, je, je ne sais pas si on me retrouve et me reconnaît, et finalement, ça, ça n'intéresse de toute façon pas des gens qui ne me connaissent pas, euh, mais en revanche, effectivement, je crois que la question de la précision est euh, importante. Euh, écrire de manière précise, euh, c'est aussi... Allez, dans une certaine mesure, on va lâcher les gros chiens, mais il euh, y a quelque chose de politique dans la précision. Euh, de ne pas raconter n'importe quoi. Euh, de se tenir vraiment au ras des choses telles qu'on les voit. Euh, ouais. allez, je lâche un deuxième gros chien, c'est politique et c'est presque éthique. <laughs> oh, ça, ce sont des gros chiens, effectivement. Euh, là, en tout cas, la dimension politique, je la trouve très intéressante parce que c'est aussi. Euh, quand on disait exploration aussi de milieux sociaux, populaires, marginaux, etc. Ou autre, il y a aussi une dimension oui, politique de prise de position. On peut peut-être terminer sur cette question-là, si vous voulez rebondir. Oui. Politique et éthique Puisque... Oui, c'est politique de, de, de parler de la vie en province, etc. Mais en même temps, quand c'est sa propre vie, on n'a pas tellement le choix de parler d'autre chose quand on fait un récit autobiographique. Donc, c'est juste de peut-être s'autoriser le droit de parler de ça et d'écrire un livre avec ça, qui est politique. Alors il reste euh, cinq minutes, très exactement, parce que vous savez qu'il y a une, une programmation avec des rencontres qui se, se suivent les unes les autres, mais ça laisse la possibilité, si quelqu'un d'entre vous euh, souhaite poser une question, ça laisse la possibilité de prendre la question, donc elle sera la bienvenue. Il suffit de faire un petit signe, je, je vois qu'il y a même un, un micro qui vous sera proposé. Bon. Oui, d'accord. Ben on va vous passer le micro si vous attendez juste une seconde. Voilà. Bonjour. Je voulais revenir sur la question de la novlangue de, de managériale, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et vous disiez que seuls les gens qui la pratiquaient. Euh, on connaissait le, le sens et le hasard fait que ce matin j'ai écouté un podcast d'une émission sur, sur France Culture qui parlait des bullshit jobs, interrogeant des vingtenaires et trentenaires qui euh, occupaient des postes avec des noms absolument ronflants et, et des, euh, à base d'anglicisme et qui eux-mêmes en fait ne savaient pas euh, quels étaient, les, quels étaient les, les, les contours de leurs tâches et, et la nature du, du travail qu'ils devaient effectuer. Donc, je pense que cette réflexion sur la langue est très importante parce que finalement, elle est pratiquée à euh, vide par, par les gens même qui, qui s'en servent. Quoi. Mathieu Oui, c'est euh, quelque chose qui fonctionne à vide et qui est aussi un, un instrument de pouvoir. Enfin, c'est aussi la, le caractère euh, de la domination, en fait, euh, pas en fait, la, le langage. En tout cas, c'est pas... C'est pas moi qui l'ai inventé, <laughs> mais euh, je trouve que la nouvelle langue managériale permet effectivement de vider de sens, euh, pour sans doute euh, effectuer encore une fois euh, poser un écran euh, sur les causalités et, les, et les, les, je veux dire, le rapport au réel. En fait, je trouve que ça tend à, à amplifier la mise à distance pour euh, rentrer encore plus dans une forme d'abstraction en fait. De, ce sur quoi on travaille, sur sur quoi on s'investit. Ça permet comme ça de, de brouiller les pistes et d'une certaine manière de, de dominer, oui. oui. Je suis tout à fait d'accord, d'où l'importance de textes comme les vôtres qui permettent d'insister là-dessus et de, et de mettre en lumière cet écran. Mmh. Mmh. Mais merci infiniment pour cette remarque judicieuse. merci à vous trois. on va vous retrouver tout de suite à la sortie à droite. il y a une table où vous pourrez signer vos, vos livres respectifs. merci. merci beaucoup. et puis je vous signale que tout juste après vous allez avoir l'occasion de rencontrer marie-hélène lafont. ce sera la prochaine rencontre. je vous souhaite un bon après-midi.